Good morning, and welcome to this closing session of the New City Summit. It's been an absolutely remarkable 3 days, I hope you agree. And I think I want to just dive in very quickly in the interest of time and people's patience. I want to say that I think it's particularly appropriate that we have you on our panel, because in some ways, this is a microcosm of everything that we're trying to do at the New Cities Foundation, what you individually represent. Monsieur le maire of Dakar, your great mayor of a wonderfully dynamic city. Jean Pistre, a great architect. Cities cannot live without you. Jay, you're the head of an important civil society organization that seeks to create an alliance of cities in the world to confront the disruptions caused by climate change. Jérôme Estrelet, you are the head of one of the world's great business groups, GDF Suez. So I think this is the kind of collaboration across different activities and different sectors that is critically important to the future of the cities in the world. I think it's also quite fitting that this discussion will be a bilingual discussion, because diversity and cultural diversity is the name of the game in the city of the future. Please forgive me, Mayor Salle. I am going to begin with Monsieur Mestrallet, because I know, Gérard, that you have to leave a little bit early because you have a pressing engagement. GDF Suez, of course, is a great global group, and I think it's fair to say that the city is really at the heart of your strategy. Perhaps you could just talk for a few minutes about that. Yes, thank you very much, John, for inviting me. It's true that GDS Suez is very much involved in the city's development, urban development. We have been partnering with a large number of cities around the world. Our group is very international. We are present in 70 different countries. And we have been partnering for 150 years, partnering with municipalities. The field of our cooperation is the field of our activities in the water, wastewater collection and treatment, in electricity, in gas, in district heating, district cooling, in the waste collection. So we deliver services which are, as we say, essentials of life for the municipalities, and our signature is by people for people, which we have translated in French into être utile aux hommes. We consider that it is essential for a group like ours to be able to offer adapted solutions to the municipalities. In talking about these solutions, the public-private partnership model, of course, is absolutely critical. And we, over the last 3 days, we've heard that this is going to be a key driver going forward. I know that Suez has been a real innovator in building these kinds of partnerships. I think there's not one size fits all. There's not a single model for these kinds of things. But can you talk about some of the kinds of innovations in public-private partnerships that are going to be important going forward? Yes, I think the concept of a public-private partnership is essential in the relationship between the private sector and the municipalities and the big cities. In France, the public-private partnerships has been, I would say, defined very strictly in a legal constraint. But I am most in favor of the philosophy of the public-private partnership, because we have many sorts of contractual relationships between a utility like ours and a big municipality. I would like perhaps to give you some examples. In France, we signed the first legal public-private partnership
with a municipality which is in a city called Limeil-Brévannes, which is not a big one. It is in the Paris suburb, in order for district heating, which is using biomass and photovoltaic to supply the municipality with energy. But moreover, I would take the example of the water cycle for a municipality. First of all, we supply a municipality with clean water. And after being used, the wastewater has a value. And what is the value that we offer to municipalities? First, we can extract from the wastewater heat, because the temperature of this water is heat. And for the municipality, we extract this heat, and we can use this energy to heat schools or municipality buildings. After that, the water is treated, cleaned into clean water and sludge. And with sludge, we can use it to dry it and make heat or electricity. So the full cycle we offer to a municipality is linked with what we call the circular economy, in which a municipality which wants to establish with a partner like ours, which wants to establish a contract, can make progress in the direction of zero emission, zero energy, sustainable development concept, and circular economy, where the products are used and then recycled in order to have the impact, the more limited impact of the activities of the city on the environment. The last example I would like to give is what we call smart city dashboard. We offered already today to 10 municipalities, and we intend to offer it to 40 municipalities in the 3 years. A smart city dashboard, which is a platform collecting the totality of the data concerning water, wastewater, electricity, lighting, gas, heating, cooling, waste treatment, and also security and mobility. And all these data are collected in a dashboard offered to the executive, Mr. Meyer. We help them to treat, to make not only data mining, but data treatment, and to have models in order to anticipate what could happen in the future, and therefore give the means to decide in the urban planning field, in the urban development, in the essential services development. So these are three examples of relationship with the municipality, which can be put into the concept, the general concept of a public-private partnership with a different contractual relationship. A last example, we have, for example, with the municipalities of Alsace in France, a contract to help them to reduce by 40% the consumption of energy in high schools, all the high schools of the Alsace region. And it is a contract by which we guarantee this energy consumption reduction, and with a penalty if we do not succeed in delivering the performance. So it is energy performance contract. It is not formally under the French law a public-private partnership, but it is, of course, a contractual relationship in the field of the sustainable development. That's all fine and good, but you know, at its heart, a public-private partnership is a contractual relationship between a private entity and a public administration.
What about the role of people in this and civil society? Do you just say, well, that's the role of the city, it's not really my concern as a company? Of course. If we identify the conditions of success of public-private partnership, the involvement of the population directly by consultations or through associations, NGOs, local NGOs, is an essential condition of success. We are not only suppliers of equipment, we also are always one of the largest employers in the municipality where we deliver that kind of services, because it's a people business. And so we consider that the municipality also has to take the necessary conditions, for example, to let no one out of the box. At GDF Suez, we suggest to the French municipalities to be partner to the foundations against exclusion. I am the chairman of this foundation, FAS, in France, Fondation contre l'exclusion. And we consider that in this partnership, the role of the population to be sure that the vision the municipality will decide corresponds to the aspirations of the population. And those aspirations are different from one country to another, from one city to another. I have the privilege to be the member of the advisory council of the municipality of Shanghai, Chongqing, which is a small municipality of 33 million inhabitants. Yeah. And the solutions we can put in place are different. I don't know two identical solutions found in two municipalities. And everywhere we suggest a strong involvement of the population as a key element of success. Thanks. Thank you very much. Monsieur le maire, donc, je sais que vous parlez en anglais absolument couramment. Mais je sais aussi que vous êtes un défenseur acharné, comme vous avez dit, de la francophonie. Donc, on va parler en français. Donc, c'est merveilleux de vous avoir sur ce panel, parce que j'aimerais bien que vous nous donniez une perspective du continent africain, du rôle de la ville dans le développement de ce continent. Donc, on a écouté Mayor Reed et Mayor Huldai ce matin, ils ont parlé, ils sont inspirés d'autres exemples, d'autres modèles, etc. Donc, c'est un information exchange un peu constant. Vous trouvez votre inspiration où? Donc, quel est le modèle pour un Dakar? Dakar est déjà un modèle pour l'Afrique, je crois. Merci beaucoup. On s'inspire de quoi? On s'inspire à partir de quoi? D'abord, je voudrais dire mon plaisir à me retrouver ici. Merci beaucoup. Et partager avec l'auditoire cette conviction que nous avons, Africains, que le continent pauvre des années 60, 70, 90, sans grande perspective, ce continent-là est derrière nous. Et qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est le présent et c'est demain. Nous sommes le continent qui recèle le plus de possibilités, que ce soit en termes de ressources humaines, que ce soit en termes de ressources du sous-sol, que ce soit en perspective de développement. Tout le monde reconnaît que l'investissement en Afrique est le plus rentable aujourd'hui, même si les investisseurs prennent en compte beaucoup le facteur risque et le facteur d'instabilité. Donc, nous avons conscience que nous sommes aujourd'hui et demain, et que le monde qui voudra se développer devra s'adosser à l'Afrique. Nous sommes conscients d'une deuxième chose. 40 ans de pauvreté ont fait que le développement de notre continent a été déséquilibré, au détriment des campagnes en faveur des villes. Donc on a eu un développement très rapide de nos villes, et malheureusement un développement
mal maîtrisée, peu maîtrisée ou non maîtrisée, ce qui a posé un problème d'établissement humain, un problème de création d'infrastructures et un problème de création de conditions véritables de développement. Voilà un peu le point de départ. Ce qui rassure, c'est quoi? Puisque nous sommes conscients de d'où nous sommes et d'où nous partons, mais surtout que nous sommes dans une globalisation qui offre beaucoup d'opportunités, puisque le monde, comme disait Senghor, la mondialisation, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. On donne ce qu'on a et on prend chez l'autre ce qu'il a de mieux. Nous ne partons pas de zéro. Donc, développer l'urbain en Afrique et au Sénégal, c'est d'abord partir d'une bonne gouvernance. Il faut revoir la gouvernance de nos villes, que celle-ci soit transparente, que celle-ci soit inclusive, c'est-à-dire créer une nouvelle citoyenneté, inspirer et créer une citoyenneté urbaine, parce que celui qui quitte son village et qui est en ville doit avoir des réflexes et des réactions d'urbain. Créer cette citoyenneté qui fait que la personne sait que c'est lui qui a mis l'autorité là et qu'il en attend et qu'elle en attend des résultats. Donc, créer cette nouvelle citoyenneté, faire donc de cette gestion inclusive une gestion de responsabilisation des populations et du citoyen, instituer donc une reddition des comptes, faire en sorte que la population se dise « celui-là qui est là, c'est moi qui l'ai mis là et qu'il doit travailler pour moi et qu'il doit me rendre compte ». Ensuite, maintenant, construire un développement urbain global et cohérent à partir de nos ressources et de nos réalités. C'est pourquoi je disais à mon ami Jean-Pierre tout à l'heure, nous avons la chance pour l'Afrique d'avoir deux expériences aujourd'hui. Nous avons l'expérience des villes, des pays intermédiaires. La Chine est l'exemple extrême. Mais vous avez les villes du Brésil, certaines villes asiatiques. Et nous avons l'exemple des villes du Nord, Paris, les villes d'Europe. Chacun de ces entités a une démarche, mais surtout a un héritage dont on peut s'inspirer. Aujourd'hui, quelle doit être, nous, notre approche en tant que ville africaine confrontée aux problèmes que je viens de vous poser? Ce que nous sommes en train d'essayer de faire à Dakar, puisque dans nos villes, tout est urgent, que ce soit pour l'établissement humain, donc la manière dont les populations se sont installées, l'habitat, avec tout ce qui va avec, que ce soit dans la gestion des ressources et que ce soit dans la promotion des activités. Tout est urgent et nous avons des choix à faire. Si nous voulons nous mettre dans une perspective de développement durable, est-ce que nous devons nous imposer aujourd'hui les critères des villes européennes? Je ne pense pas qu'on en ait les moyens. Je ne fais pas de la provocation, mais je pense qu'il faut être réaliste. Est-ce qu'aujourd'hui, je dois imposer aux usines, aux structures à Dakar, les mêmes normes appliquées à Paris ou à Lyon, en étant sûr que je n'en aurai pas les moyens? Nous avons mis en place une structure de gestion de la qualité de l'air à Dakar. On a des stations pour gérer la qualité de l'air. Mais quelles sont les voitures que j'ai? C'est des voitures qu'on importe d'ici. Les voitures neuves n'étant pas accessibles, nous sommes obligés de limiter les importations. Nous avions dit des voitures de 5 ans. Nous avons reçu la pression de notre diaspora, nous l'avons portée à 8 ans. Bonjour les dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, c'est le type d'arbitrage que nous devons faire. Je vous donne un peu la réalité de nos villes. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on, puisqu'on ne construit pas les voitures, on les importe et que les gens ont besoin de mobilité? Devons-nous régler le problème de la mobilité globale par un transport en commun à développer? Ce transport en commun, il peut être par le biais de cars, par le biais de tramways et autres.
les coûts, nous avons des limites objectives, et c'est là où je rebondis sur l'exposé de M. Mestrallet. Le PPP est une forme d'investissement. Mais nous sommes confrontés à un vrai problème de crédit, à un problème de contexte. Parce que ceux avec qui vous bâtissez, vous créez le PPP, ont besoin d'un certain nombre de conditions. Et malheureusement, en Afrique, la décentralisation n'a pas encore autonomisé les collectivités locales qui ne se sont pas émancipées et qui accèdent difficilement aux marchés, que ce soit les marchés commerciaux, donc les banques, que ce soit les marchés multilatéraux. Si vous devez aller à la Banque mondiale, à la BAD ou à la BID, c'est des institutions d'État. Si vous êtes comme moi un élu de l'opposition, ce n'est pas le gouvernement qui va me faciliter l'accès à la Banque mondiale. Alors, je suis obligé d'aller sur le marché financier commercial où les taux d'intérêt sont à 7-8%. Est-ce qu'une collectivité locale peut supporter cela? Voilà les problèmes. Troisième chose qui est importante pour nous, c'est un peu l'aménagement urbain. Ceux qui connaissent Dakar savent aujourd'hui que nos rues sont embouteillées par le commerce de rue. Qu'est-ce qu'il faut faire pour dégager, c'est-à-dire créer un espace dans lequel les commerces peuvent souffler, les gens, les activités peuvent se mener, sans que cela porte préjudice un peu à l'ensemble. Là aussi, nous avons fait appel au PPP, parce que nous devons remembrer Dakar. Pour ceux qui ne connaissent pas notre ville, c'est une ville côtière de 550 km² et qui est une presqu'île. Le colonisateur gérien contre lui avait pris nos meilleurs sites et y avait installé des usines. Aujourd'hui, vous savez, la place des usines, c'est pas dans les plus belles plages, c'est pas dans les zones côtières. Alors, si nous devons réaménager la ville, créer des espaces de vie et de rencontre, nous sommes obligés de les enlever. Ou on use des méthodes des républiques bananières sans droit, on les dégage, ce qui serait inacceptable parce que vous n'aurez plus jamais un investisseur pour venir, parce qu'ils se disent qu'il y a l'insécurité des investissements chez nous. Ou nous discutons avec eux et nous peinons à avoir des moyens de les dégager. Donc, aujourd'hui, il y a une seule chose qui se prête à nous, et je crois que c'est le choix de beaucoup de nos collègues d'Afrique. La décentralisation va connaître une nouvelle évolution en Afrique. Cette décentralisation va faire des collectivités locales des offreurs de services. Nous allons essayer de satisfaire la demande publique, mais nous allons construire un partenariat avec le privé. Parce que le faire-faire nous permettra d'être plus efficaces. Nos moyens propres, qui viennent des taxes et des impôts, ne nous permettent pas de financer toutes les urgences, parce que chez nous, tout est urgent. Donc, nous avons fait le choix de construire des PPP dans les secteurs rentables. Et nous avons fait le choix de solliciter les banques multilatérales, donc telles que la BID, la Banque mondiale, la BOAD, pour les infrastructures non rentables, tout ce qui a trait à l'assainissement, tout ce qui a trait à la voirie, à l'éclairage. Ça, c'est des services dus aux populations qui ne sont pas rentables. C'est la ville qui les prend en charge. Nous allons requérir l'aide multilatérale et les partenaires multilatéraux. Mais pour tout ce qui est rentable, nous sollicitons le secteur privé. C'est pourquoi nous vous invitons à venir à Dakar. Nous sommes une ville qui change. Nous sommes une ville qui bouge. Nous sommes la porte de l'Afrique. Et nous, quand vous investissez à Dakar, vous avez des opportunités pour investir dans 10 pays. Avec l'UEMOA, qui est comme l'Union européenne, le produit de Dakar est vendu dans les 10 pays de l'Afrique de l'Ouest sans taxes, sans douanes. Et nous sommes une ville avec l'État qui avons créé les conditions d'un code d'investissement qui permette la sécurité de l'investissement
qui permettent le transfert des bénéfices et qui assurent la sécurité juridique de l'investissement. Mais nous sommes aussi une population jeune qui aujourd'hui a la volonté, puisque nous les avons bien éduqués, puisque vous connaissez, nous sommes le pays de Senghor et d'Abdou Diouf. L'éducation est une super priorité. Nous avons des ressources humaines de qualité. J'en ai deux devant moi, ici, Maître Simon Ndiaye, Madame Batili, qui sont là. Et les ressources humaines sont aussi un atout pour la ville de Dakar. Donc, nous sommes conscients, pour conclure, que nous sommes l'avenir. L'Afrique aujourd'hui est le meilleur terreau pour les investissements. L'Europe a atteint ses limites. Vous ne pouvez plus faire plus de 1,5 de croissance. L'Asie est en train de tropicaliser ce que vous faites. Donc, elle se tourne sur elle-même. La seule zone où l'investissement est rentable, viable, parce que fiable, c'est l'Afrique. Donc, nous vous invitons à venir chez nous. Et c'est pourquoi le développement durable véritable se construit en Afrique et à Dakar, et vous y êtes les bienvenus. Merci. Merci, Monsieur le maire. Oui, Gérard. Donc je vais, comme vous l'avez indiqué, j'ai malheureusement une contrainte d'horaire qui n'a rien à voir avec la formation du gouvernement aujourd'hui. Néanmoins, je vais devoir vous laisser, j'en suis vraiment tout à fait confus. Je voudrais simplement dire à M. le maire que j'ai beaucoup apprécié la clarté de sa vision. C'est clair que l'Afrique représente un potentiel considérable et Dakar est une ville merveilleuse. Et de dissocier pour les partenariats publics-privés ce qui peut relever de l'investissement privé et ce qui relève des organisations multilatérales pour des investissements à beaucoup plus long terme ou qui doivent être pris en charge en totalité par la collectivité me paraît une très bonne approche. Et en tout cas, le message est reçu. Merci. Merci. Excusez-moi, je suis obligé de vous dire. Je vous en prie. Je vous en prie. Au revoir. Merci. Merci, Gérard. Jay, you bring a remarkable perspective to this discussion. You've worked in politics in the United States. You've been a remarkably young, I guess probably the youngest that I could possibly imagine, deputy mayor. The beard didn't fool you. Right. Deputy mayor of Los Angeles. And now you've taken on the leadership of the C40, which is a group of cities, that very large cities that have aligned themselves to deal with climate change and the kind of changes, the disruptions that are brought by climate change. We've heard over the last few days from a variety of speakers how mayors and cities are increasingly the drivers of change and transformation in our societies, much more, often more, than national governments who are weighed down by other kinds of issues, by the necessity to please all sorts of constituencies, et cetera. You represent this network of cities, and it seems to me that we're at the dawn of a new age of these kinds of information sharing networks. C40 is one of them. I hope the foundation that we represent is another. Can you talk about that from your perspective a little bit? Sure. Yeah, I'd be happy to. I think you're right in that we're at the beginning, I think, of a real revolution of cities. It's one of the reasons this event is so exciting. And the C40 came about because a group of mayors led by Mayor Livingston of London about 7 years ago now got together and said, the national governments are never going to act on climate change. They're going to try. They're going to continue to try every single year. And I said this on a panel yesterday, but the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. And the mayor, I appreciated the mayor's comments about the difference in imposing regulations on Dakar that you would impose on Paris or London. And that therein lies one of the many problems with the international treaty process in terms of climate change. You not only have to get, the focus is always on the fact that China, India, the UK, Germany, and the United States can't agree. But it's worse than that. You can't actually get agreement within the country, which actually contributes to the overall problem.
Now, that sounds pessimistic and like bad news, but the good news is that most of the greenhouse gases are not in getting... The way to reduce greenhouse gases and make cities more livable and sustainable is not to try to force the state of Montana, which is a very rural, middle-of-nowhere place in the United States, a great state for anyone who's from Montana, but there are no greenhouse gas emissions in Montana. There are massive greenhouse gas emissions in the city of New York. So trying to get those two places to agree on how to do this doesn't make sense. The way to reduce greenhouse gases in the states and around the world is to link Chicago, Los Angeles, New York, the other major cities in the U.S. and around the world together to actually share best practices. One of the things that I learned and that I hear from mayors and deputy mayors and directors of sustainability and transportation around the world is that the best person to help you figure out how to tackle the problem that you're facing is another city official who's already tackled it. They've run into the same problems as you. Something as simple as a bike share network. Paris was one of the very first, maybe the first cities to input a massive bike share network. They learned a lot of lessons along the way. They helped teach London. London helped teach Barcelona. And now you actually have a group of cities that the C40 is linked together who are helping teach. We're behind the times in the States on this, but are helping teach New York, Los Angeles, Chicago about how to input a bike share network. It sounds simple, but non-modal transportation and getting people out of cars and onto bikes is an important thing in cities. And cities actually sharing that knowledge around. And it ranges from municipal utility networks, which are extremely complicated in terms of increasing the renewable portfolio standard of your utility, to sharing information about bikes. So are you saying that we shouldn't spend so much time worrying about international treaties on climate change, on Copenhagen, on Rio, et cetera? We should just, that's not important, that we should focus on at the city level? I hate to say it. That's what I'm hearing. That's exactly what I'm saying. Yeah. I mean, I think if you are, my old boss, the Secretary of State of the United States, would probably be angry to hear me say this, but, you know, if you're working at the State Department or in the Foreign Affairs Department of a country, continue to worry about this, continue to go to the meetings every single year. But if you're here, my guess is you don't, and you work in a city or you care about what cities are doing. We're going to make a far greater impact working together as cities, working within our cities, because the mayor of Dakar knows what's best for his city, the mayor of Paris knows what's best for his city, working together than we are sitting around worrying about the international treaty process. We had a question about this yesterday. Someone said, well, isn't the fastest way to do this, if we continue to fix Paris and we continue to reduce our greenhouse gases, won't pollution just come in from somewhere else and we should go outlaw that pollution? Well, they continue to try to do that every single year, and it's not working. But Paris has made remarkable strides in terms of making this city more livable, more sustainable, and reducing greenhouse gases. So I hate to say it, but yes, stop worrying about it. Okay. And do something about it, right? I mean, we can sit around and worry about the COP 18, 19, 20, 21, 22, but... Yeah, good. I mean, one of the things I'm hearing also, I mean, it was, you mentioned bicycles, and we heard Mayor Huldai earlier this morning say that he came to Paris, he saw the Vélib thing, yeah, and said, great, and then next month, you know, Tel Aviv is launching the same kind of experiment. I mean, cities can obviously learn from each other, but when you have cities like, say, in New York, I mean, are there lessons that New York can learn from Dakar or Bogota, or, you know, is it sort of always the other direction? No, it quite often is developing to developed. Most people are... That's a very, very important point that I think most people don't think about. It is, and that surprises most people who aren't familiar with our network or who aren't familiar with developing cities, but very often the best practices and lessons learned and some of the most effective solutions are coming from developing cities to developed cities. I'll give you one example. There has been a sense around the world that in order to become a full developed city, you must have a robust subway system. The truth is, subway systems are almost completely unaffordable anywhere in the world these days. It's billions and billions and billions of dollars to put in a new subway line. They're cost overruns. They take years to install. Unless you have a legacy network like in New York or Paris. Even still, it's very difficult to do. And sometimes it's the least efficient way. As cities, we've become addicted to this idea of a subway. And if you already have one, that's great. But putting in a new subway system in a city is not the most efficient way to get cars off of your streets. In Latin America, they figured this out
about a decade ago, maybe even more, when they looked at what it would cost to install a subway in, to install a really robust subway in Bogota, one that really services the city of Sao Paulo, that really services the city of Rio, Buenos Aires. And those cities very smartly recognized that they couldn't afford to put in a massive subway, but what they could do was a new technology at the time called bus rapid transit, which essentially functions like a subway on the road. It is massively cheaper to install. You have much more variability in terms of your ability to change it around. Once you sink a subway stop, it's going to be there forever. A bus rapid transit line can change. Well, New York was looking at, as it happens in many cities, new population centers were springing up that were pretty far away from subway stops. And so the planners in New York, the transportation department in New York, was looking at how can we service these new areas? We don't have a subway there. Well, we have to dig a trench and put in a subway, and that'll take 9 years and cost $10 billion. A conversation started at one of these events between the city of Bogota, the city of Sao Paulo, the city of Rio, and the city of New York. They said, don't put in a subway, put in a bus rapid transit line. It's going to be much better for your citizens. It's going to cost less. And there were simple lessons, to bore you with the details here, the transportation folks in New York said, yes, but buses will run slow. They'll get hung up in our traffic. And they said, no, they won't. Why do you buy your bus ticket when you get onto the bus? You don't do that on a subway. Have everyone pay for their ticket beforehand so when the bus pulls up, everyone just gets on it. He said, yeah, but cars will get in the bus lane and then they'll block the bus. No, they won't. Put a camera on the front of your bus, take a picture of license plates, and send them a $500 ticket. They'll never drive in the bus lane again. And these were lessons that they had learned in Latin America that they taught the city of New York, and New York now has two going on four or five, perhaps even, new bus rapid transit lines in the city of New York that we essentially stole from Latin America. Okay. Which is great. Yeah, that is good. Jean Pistre, donc vous êtes architecte très connu, donc vous avez construit, désigné des tours ici à La Défense. À Bordeaux, j'ai adoré le musée que vous avez fait là-bas. Vous faites des choses autour du monde. Depuis un an, vous jouez un rôle absolument clé dans le développement de Skolkovo, juste en dehors de Moscou, qui est New City. Voilà. Parlez un peu, si vous voulez, du rôle de l'architecte dans ces nouvelles villes du 21e siècle et le rôle de planner aussi. Parce que je crois qu'il y a une vraie évolution, transformation des rôles respectifs des uns et des autres. Oui, je reprendrai les propos du maire de Dakar qui illustrent la situation. Il faut comprendre que d'ici 20 ans, on va pratiquement doubler la population urbaine dans le monde. C'est-à-dire que l'humanité n'a jamais fait face à un tel défi. Et ce défi se passe dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire que c'est l'urgence, le manque d'argent, les difficultés politiques, parce que ça se passe dans des pays qui sont moins organisés que notre vieille Europe, et avec cette nouvelle donnée qui est les contraintes d'environnement, le réchauffement climatique, etc. Donc c'est un enjeu inconnu jusqu'à maintenant. Les architectes et les urbanistes ont sûrement un rôle à jouer. Et je crois que le rôle, il n'est pas seulement dans la réponse fonctionnelle, de répondre mécaniquement à ces sujets, c'est d'apporter ce qu'il y a en plus, c'est-à-dire que, in fine, on ait le plaisir d'être ensemble dans un cadre urbain. Et sur quel modèle? Alors, je citerai volontiers un grand architecte célèbre futuriste à qui on demandait pour lui c'est quoi le modèle de la ville du futur. Et il disait, c'est la ville d'autrefois. Et effectivement, ce n'est pas parce qu'on est face à des enjeux qui sont hallucinants qu'il faut perdre tout l'acquis qu'on a pu avoir. L'acquis qui est des siècles de réflexion sur comment être ensemble, comment avoir des espaces dans lesquels on se rencontre, on se côtoie et on se mélange. Et c'est de ça que je voudrais partir pour parler du rôle des architectes et des urbanistes.
Je crois qu'il faut éviter de dire qu'il y a une théorie idéale ou un modèle idéal. Et on est tous face à une situation à créer. Et dans notre métier d'architecte et d'urbaniste, on est par définition dans la créativité. Et il faut éviter qu'elle soit entachée d'égo ou de démiurge. Et c'est ce qu'on a fait, on essaye de faire à Skolkovo, en Russie. C'est que, à l'image du fait que la ville est le lieu de rencontre, le lieu de l'échange, la création de la ville se fait entre experts qui, habituellement, ont l'habitude de travailler seuls, mais qui travaillent ensemble. Et de créer faire appel même aux plus grands, et les contraindre à échanger leurs expériences, leur savoir, leur créativité, sur le sujet donné. Dakar, telle ou telle ville, et comme vous disiez, on ne va pas transposer un modèle d'une ville à une autre. Parce que même si la situation est globale de l'humanité, les solutions sont à chaque lieu, sont différentes à chaque lieu. Donc, dans le travail aujourd'hui des architectes, il y a cette obligation, à mon avis, d'échange, de travail en commun. Et puis, la fabrication de la ville, c'est l'exercice de travailler à plusieurs échelles en même temps. C'est-à-dire, il faut avoir la vision à très long terme. Et cette vision doit être réaliste, doit tenir des problèmes fonciers, des usines qu'il faut déménager. Donc il faut qu'elle ait une certaine réalité. Combien de plans d'urbanisme magnifiques ont disparu dans les tiroirs parce qu'ils se heurtaient à la première vente de terrain. Mais cette vision doit s'illustrer très rapidement par des choses concrètes, même à petite échelle, comment aménager un square, comment est tel ou tel immeuble, pour créer une dynamique. Parce que le facteur humain est très important, c'est qu'il peut y avoir des penseurs formidables qui dessinent des choses formidables, mais si les gens qui sont impliqués ne sont pas motivés, ne sont pas les maires, mais même leur entourage, les populations ne sont pas entraînés dans un projet, le projet ne se fait pas. Donc ce travail à grande échelle, petite échelle permanente va entraîner les gens dans des dynamiques qui vont faire les projets. Et puis, l'environnement. Bon, l'environnement, je ne vais pas redire ce que tout le monde sait, c'est l'enjeu numéro un, mais je dirais qu'il y a un enjeu qu'il faut vraiment intégrer et qui relève de la décision politique. C'est la question des transports et des circulations. Les voitures, on ne va pas interdire aux gens d'utiliser leur voiture. Donc, il faut leur donner les conditions qu'ils n'aient pas envie d'utiliser leur voiture. Et pour ça, il faut éviter les décisions où on met un centre d'affaires à 50 km d'un ghetto social et à 30 km d'un centre commercial, où, de toute façon, on n'a pas autre chose à faire que prendre sa voiture. Et créer des villes immenses avec des centres qui sont dans une échelle où on peut tout faire à pied, passer sa journée, aller voir tous les commerces, tous les équipements, sans prendre sa voiture, c'est l'avenir des grandes villes, c'est-à-dire des villes avec plusieurs centres dans lesquels on n'a pas besoin de circuler en voiture. Après ça, la circulation en voiture, c'est d'abord le plaisir, parce qu'on ne peut pas empêcher l'idée que c'est agréable de se balader, mais il faut que ce soit pour une décision qui ne soit pas une obligation. Et c'est là où on rejoint la qualité de l'urbanisme, c'est qu'à partir du moment où on n'est plus dans des obligations de passer des heures en voiture, on se retrouve dans des lieux où on est ensemble, individu à individu, dans des espaces agréables. Donc, la créativité des architectes, la créativité des urbanistes est une des clés. Je pense qu'on aura une grande contribution pour relever ce défi. Mais les politiques sont aussi importants, voire plus, dans les décisions qu'ils vont prendre. Et c'est des décisions qui ne sont pas simplement qui sont les politiques foncières, mais qui sont des décisions de ces ordres-là, des grandes décisions stratégiques. Oui. Merci beaucoup. J'étais frappé hier quand
professeur Burdett de London School of Economics a un peu brutalement critiqué cet quartier de la Défense. C'est un quartier, reprendre ces mots, sans vie, c'est mort, c'est pas bien, etc. C'est pas mon opinion à moi, mais vous qui avez créé quelques tours ici à la Défense, quelle est votre vision de... Est-ce que la Défense est une réussite? C'est un work in progress? C'était un échec? Bon, la Défense est facile à critiquer, hein, parce que dans sa conception à la française, quasi militaire, le grand axe avec les tours qui ont toutes la même hauteur, arbitrairement à l'écart de Paris, bon, c'était assez rigide comme dialectique. Aujourd'hui, son charme, on va dire, pour être en opposition, c'est l'histoire qui s'est faite. C'est-à-dire que quand on se promène à la Défense, maintenant on voit une tour, elle est de telle date, celle-là, elle est de telle date. Elles ont chacune, l'histoire s'écrit petit à petit. Nous, on y a contribué. Aujourd'hui, il y a des tours encore plus grandes avec des architectes flamboyants. Et la vie s'est créée petit à petit. Et aujourd'hui, c'est un quartier qui est presque attachant, qui est vivant, et qui a beaucoup de qualités. On a critiqué l'absence de voitures parce qu'on dit qu'à Manhattan, par exemple, c'est super parce que dans la rue, il y a tout, il y a les commerces, il y a les voitures. Certes, mais Manhattan, c'était le résultat d'une ville ancienne sur laquelle se sont construites les tours. Donc... La Défense est vivante maintenant, elle a une histoire qui s'écrit petit à petit. Ceci dit, ce n'est pas un modèle, parce que économiquement, la création d'infrastructures gigantesques comme il y a, avec des parkings immenses sur plusieurs niveaux, des autoroutes qui passent dessous, c'est un non-sens économique et personne ne peut aujourd'hui prendre une décision de faire une opération d'urbanisme de ce genre. Oh, c'est curieux parce que j'étais là dimanche et j'étais assez frappé de voir des gens un peu partout sur l'esplanade. C'était assez formidable, mais il y avait une très 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 belle ambiance. Jay, what keeps you up at night when you think about the problems that we face in cities? I mean, what are the one or two biggest problems that I think your community of mayors faces? I think probably the biggest problem, and the mayor touched on it earlier, is financing a lot of the good plans that cities have. When the C40 was created in 2006, most cities that didn't have sustainability or climate action plans, they were sort of searching for what to do. Fast forward to 2012, where sustainability and climate have been factored into almost every single major city around the world's overall city plan. I sat in on the Jakarta sustainability planning meeting a couple of months ago. So cities know what they want to do, but especially in this time of extreme budget austerity and by the way, for the many of us here who work in cities, we know how this works. The federal government cuts but doesn't really actually cut back very much and passes it to the regional government who cuts but doesn't really cut back very much, and then it ends up with the city where there is nowhere else to pass it. And so the cities end up really being hurt badly by cuts. So there's an inability to pay for a lot of the really great plans that exist in some cities. And because we're on because cities are on the forefront of this, the systems aren't necessarily set up to pay for it. Private banks don't quite know how to capitalize these projects, and the mayor touched on this. The financial institutions who are set up to finance major projects can't deal directly with cities. So we get a lot of complaints from mayors who I won't mention here who their president. You're talking about American mayors, non-American mayors? Non-American mayors. Yeah, non-American mayors. So for instance, in Latin America, if the president of the country feels that the mayor of the major city is their rival, interestingly enough, very little World Bank money will show up in that city because they want to make sure to keep this person out of the next election.
It's a real problem when your major cities are 50-60% of your population and most of your greenhouse gases, and that's where the infrastructure projects are needed. We've been working with the World Bank to try to, and they've been open to trying to reduce those barriers and try to be able to deal directly with cities, but at the moment they can't. So in developing cities, that's a huge source of funding that that cities are missing out on. And in developed cities, it's very hard in the private markets right now to get banks to really understand a lot of the projects that cities want to and need to do. I mean, that also goes back to governance structures and the lack of autonomy of certain cities that Mayor Sall referred to earlier. I mean, Monsieur le Maire, vous avez la capacité à Dakar d'aller sur les marchés internationaux ou non, en tant que ville de Dakar? Oui, donc je disais, pour reprendre mon collègue, oui. Pour construire un véritable développement durable, oui. Au niveau de CGLU, qui est l'Organisation internationale des villes, nous interpellons toujours la communauté internationale et nos États en leur disant il faut penser global, mais il faut agir local, si on veut être efficace. C'est ça le slogan. Mais agir local suppose qu'on en ait les moyens. Et malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, que ce soit en France ou en Europe ou en Asie ou en Afrique, les États, au niveau de beaucoup de leurs compétences, se déchargent sur les mairies et les villes. Et le maire est le premier interlocuteur maintenant du citoyen. Quand une maison brûle, quand quelqu'un est malade, quand ça ne va pas, quand le robinet coule, c'est le maire qui est interpellé et qui est responsable et qui n'en a pas tous les moyens. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'accès au crédit est important parce que l'État nous transfère des compétences et oublie de transférer les moyens. Oui. Donc nous sommes obligés de recourir au marché. Au Sénégal, nous n'avons pas de problème à ce niveau puisque la décentralisation est assez poussée et nous avons la possibilité d'aller sur le marché international. Effectivement, le problème de l'éclairage public de la ville de Dakar, son extension, nous l'avons réglé avec un crédit de l'AFD, l'Agence française de développement. Pour reprendre la rénovation de la voirie urbaine, nous l'avons réglé avec un crédit de la BOAD, la Banque africaine de développement, qui sont tous des crédits concessionnels. Taux IDA, 20 ans, 1% de taux d'intérêt, 4 ans de différé, vraiment des conditions douces et supportables pour les finances de la ville. Je crois que c'est ce qu'il faut. Et là, nous sommes en train de mener un combat au niveau de la Banque mondiale pour que les municipalités aient accès au crédit. Parce que vous savez le problème, ces institutions, c'est des institutions d'État. Donc, si une collectivité locale veut aller quérir, demander un crédit, il lui faut l'autorisation ou le couvert de son État. Alors, si, comme dans mon cas, vous êtes un maire de l'opposition, l'État ne vous soutiendra jamais. Donc, c'est un peu pour ça qu'on pousse la Banque mondiale à véritablement souffrir aux collectivités locales, puisque aujourd'hui, nous avons des finances saines et nous avons une gestion vertueuse. Mais si on a les crédits au même taux et aux mêmes conditions que les États, nous pouvons être plus efficaces et plus efficients dans nos projets. Merci, merci, Monsieur le Maire. I would like to thank, yes, Jean. Ces questions de financement sont, oui, sont très importantes. Mais comme vous disiez tout à l'heure que le métro n'est pas la solution pour les transports, je crois que le travail des spécialistes aussi pour faire face à ces défis, c'est d'imaginer des solutions économiques pour avoir besoin de moins d'argent. Parce que lorsque on fait les calculs avec ce développement exponentiel de la ville, on se trouve avec des centrales de traitement de déchets gigantesques, des centrales d'énergie gigantesques, qu'il faut payer avant de faire le moindre plan d'urbanisme. Et ça, c'est une impasse qui se fait par l'accès au crédit. Et donc, il faut penser une autre manière. Par exemple, beaucoup de gens réfléchissent là-dessus, sur le traitement des déchets. C'est la question de changement des comportements, c'est-à-dire que le tri se fasse à la maison, que ce se fasse localement dans le quartier, que les besoins d'énergie
par exemple à Dakar, vous avez beaucoup de soleil, il faut en tirer parti, qu'on n'ait pas besoin de construire des grandes centrales d'électricité, etc. Et ça, ça fait partie de la révolution technique écologique qui va accompagner le développement exponentiel des villes. Et donc coûter moins cher et être moins dépendant de l'accès au crédit. Bien. Merci beaucoup, Jay, Jean, Monsieur le Maire. I think it's been a very stimulating discussion. I'd like to continue for hours and hours, but I think some of us are hungry. And it's time to close up this, for me, fascinating 3 days. I think one of the great achievements has been, I think that we've created a kind of community here, coming from all parts of the world, from different disciplines and métiers and sectors. And community and collaboration are incredibly important. I think some of the lessons that we've learned over the last few days have been that cities really matter, and they matter more than ever, and that they should be, Jay, absolutely at the top of the global agenda. Cities are the agents that can really drive change in the world. They have a huge importance to the global economy, and this is where innovation takes place. It's a place where social problems occur, but also the solutions to those social problems can be found. And if we are to solve the great challenge that we face in terms of climate change, it's in cities that it can be solved. So cities are where the big problems that we face as a human race do get solved. And I think that in this century, the rest of the century, we will thrive or perish on how we do in cities. The other lessons that I think we've all derived are, apart from this, the importance of urbanization and getting that right, is the importance of technology. And obviously, we cannot reduce change to just technological change, but ICT can bring new life to cities and can change them, can be a real driver of change. And I think we saw that a couple of days ago during the really fascinating session on the annotated city. Finally, the last lesson, I think one of many, is that the kind of old way of doing things doesn't really work anymore. May not be adapted to the new challenges that we face. I think we are seeing graphically that mayors can't work in a vacuum. Companies cannot just go after the profit motive, waiting for tenders from government. Research cannot really be isolated as it often is. And civil society has to be much more integrated into this kind of change that we need. So partnerships are desperately needed, new kinds of partnerships, new kinds of collaboration. So I think I would want to leave you with that, and that really call to action to go home from Paris, go home to the United States, to Africa, to Asia, to India, to other parts of Europe, and try and change your cities. I hope we've contributed a little bit to that. And what I think we've done also, as I said, is create this community. So it's a community that I hope and believe will thrive and expand in the future. And we hope to stay in touch with all of you in the coming year. Hope to see you next year at the next summit. And on to the future. Thank you very, very much for being here. Thank you so much for your participation. And lastly, a note of thanks to my friends at Publicis Live, who've done a remarkable job making everything work, who've been working night and day to make this all happen and flow very smoothly. So thank you very much. Thank you.